Les amis, parlons peu, parlons bien. Je fais cette vidéo courte en attendant des vidéos d'analyse beaucoup plus profondes. Il fait gris en Europe et très sombre en France. Il y a une passe des décisives donnée par Emmanuel Macron à l'extrême droite afin de gagner la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a décidé de dissoudre tout simplement l'Assemblée nationale et ce, suite à la victoire éclatante du mouvement d'extrême droite, les RN, aux élections européennes. Personne ne comprend exactement la raison pour laquelle le président a pris une telle décision. Car en prenant la décision de dissoudre immédiatement l'Assemblée nationale et en refusant d'attendre au mois de septembre, il oblige les Français à devoir voter pour de nouveaux députés en à peine un mois, c'est-à-dire à la fin du mois de juin et début du mois de juillet, nous allons avoir de nouveaux députés. Et ce, dans un souffle qui va dans le sens de la victoire de l'extrême droite, la bourgeoisie que représente Emmanuel Macron décide en réalité de laisser le pouvoir à ses derniers, c'est-à-dire à l'extrême droite. Je vous l'avais déjà dit auparavant, il y a en réalité un bloc néolibéral identitaire qui est en train de se former en essayant d'exclure du champ républicain ou de l'arc républicain les gens de gauche, la France insoumise notamment, qui sont pour la solidarité et le partage des richesses. Ce bloc identitaire néolibéral part de la droite du Parti socialiste jusqu'à l'extrême droite en passant par le centre de Bayrou, l'extrême centriste de l'extrême centre d'Emmanuel Macron, la droite des LR et enfin l'extrême droite de Zemmour et de Marine Le Pen. En faisant en sorte que ce bloc-là tourne soit autour des macronistes, soit autour des RN. Il s'avère que ceux qui sont derrière Emmanuel Macron, c'est-à-dire la classe bourgeoise, a décidé de donner sa chance après que ces derniers aient donné des gages aux hommes et aux femmes politiques des RN à la tête desquels se trouve Marine Le Pen. C'est une catastrophe. Une catastrophe pour la France, une catastrophe pour les nôtres, une catastrophe pour les quartiers populaires, une catastrophe pour les musulmans, une catastrophe pour ceux qui sont d'origine sociale extrêmement populaire, parce qu'en réalité, il s'agira pour ces derniers, en termes de politique, de ne recevoir que, au fond, des boucs émissaires à accuser et non une situation sociale à améliorer. Telle est la situation dans laquelle nous nous trouvons et il s'agit pour nous de trouver les moyens de nous en sortir. Il faut nous mobiliser intellectuellement, il faut nous mobiliser politiquement, ne pas laisser faire cette fascisation de plus en plus poussée du pays. De fait, les politiques d'extrême droite étaient déjà menées par Emmanuel Macron. Il s'agit tout simplement de donner les clés du pouvoir à l'extrême droite. Telle est notre analyse, il faut donc nous mobiliser.